De ton père, le roi David. J'en ai vraiment assez que tout le monde ressasse continuellement à quel point mon père a pu être un grand homme. Eh bien, il ne tient qu'à toi de faire en sorte que ça change. L'âne ne nous en tiendra pas rigueur. Approche, tu n'as pas à t'inquiéter. Lève la tête, ce n'est que moi. Tu ne serais pas Toby, le renard du roi? Non, sans blague. Écoute, j'ai une mission importante à te confier. Mais cela risque de provoquer une panique générale. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est un ordre donné par un renard royal. Est-ce que tu m'écraseras si jamais je refuse? La menace. Mais le roi David s'enticha de la luxuriance de ses jardins et attaqua le royaume. Le roi des Dômes fut incapable de défendre ses terres et Adad, son fils, disparut à jamais. Qui sait où on le vit pour la dernière fois? Désormais, ceci appartient à l'histoire. Hé, dis-moi, le marionnettiste, tu pourrais arrêter de nous rabâcher les oreilles avec cette vieille rengaine? Mais votre Altesse, il s'agit de votre père, le roi David. Oui, merci, je suis au courant. C'est juste qu'à la longue, ça devient, comment pourrais-je dire, un chouïa ennuyeux. Et que fais-tu de mes aventures? Comme cette fois où j'ai dirigé un troupeau de moutons. Je vais te montrer comment on raconte une belle histoire avec tes marionnettes. Votre Altesse, non! Gamin serait le fils de l'impitoyable David qui a saccagé le royaume de mon peuple. Ce n'est qu'un jeune traître malotru, insolent, mais il pourrait constituer ma dernière chance. On m'a collé quelque chose de gluant pas plus tard qu'hier. Je parie que Salomon te l'a fourré dans le bec, n'est-ce pas? C'est sa façon à lui de se débarrasser des friandises qu'il n'aime pas. Attention! Voilà le conseiller en chef! Dehors! Oui, tout le monde dehors! Quelle était donc l'origine de tout ce vacarme, votre Altesse? Nous nous sommes simplement divertis un petit peu, Zafar. Sire, cet animal est de nouveau sur le point de vous attirer des ennuis. Tu sais que Toby n'y peut rien. C'est pas sa faute, ce n'est qu'un simple renard du désert. Votre regretté père a toujours suivi mes conseils, et c'est la raison pour laquelle il a pu vous léguer une terre si riche et si merveilleuse. Il était tellement accaparé par sa terre qu'il ne s'est jamais intéressé à moi. Au moins témoignez du respect pour la bague que votre père vous a transmise. Cette bague symbolise votre pouvoir royal, et ses statues ont été sculptées par votre peuple loyal. Vous n'êtes rien sans elle. Je suis le roi! Qui doit aller se préparer pour partir?
La reine de Saba peut arriver à n'importe quel moment. Balthis ? Pourquoi tu l'as invitée, finalement ? Vous avez besoin d'une reine pour gouverner ce royaume. Je ne tiens pas du tout à l'épouser. En tant que souverain, vous avez certains devoirs. Oh, oh ça alors, ils sont déjà arrivés ! Vite, il faut se préparer, vite ! Déjà, vous dites ? Mais nous sommes partis il y a déjà plus de 2 mois, ma reine. Enfin, Norris, si je veux conquérir le cœur de Salomon, j'ai besoin de beaucoup de temps pour parfaire mon maquillage. En amour, il n'y a pas besoin de maquillage. Oh, tu sais, Anna, les filles d'aujourd'hui s'intéressent exclusivement à la race de chameaux que les garçons montent. On dit que Salomon est un homme sage. Sage ? Et extrêmement fortuné. Voilà qui me plaît davantage. Signifie ce silence. Tenez, ma reine. Vous voilà prête. Wow. Je dirais même... Waouh ! Dites, par le plus grand des hasards, vous ne sauriez pas où je pourrais trouver le roi de cette région ? Il était prévu que l'on se retrouve à cet endroit. Psst. Qu'est-ce qu'il y a, Norris ? C'est lui ! C'est Salomon ! Vous ? Oh non ! Mes amis vont s'en donner à cœur joie quand je vais rentrer chez moi. Dans ce cas... Cela doit signifier que tu es Balthis. Eh bien, oui. Ben dis donc, ce parfum. Excuse-moi pour le coup sur le nez. Sacré coup de poing, mademoiselle. Salut, roi Clef. Ici, c'est la farce qui te parle. Suis-moi, on va aller voir ailleurs. Oh, et tu voudrais que je l'abandonne ? Pas question. Regarde comme elle est ravissante. Ne me dis pas que tu vas t'enticher d'une femme comme elle. Veux-tu te taire ? Non, mais c'est à moi que tu parles. Oh non, quelle idée. Je parlais à mon renard, naturellement. Si jamais je dis à mes copines à la maison que tu parles au renard... Oh, mais quelle petite bête adorable ! N'aie pas peur, mon trésor. Je vais bien m'occuper de toi. Non, attends ! Tes yeux sont aussi apprivoisés que les ailes battantes d'une colombe. Oh, ne te fatigue pas. Pourquoi tu ne parlerais pas plutôt de ton père ? De mon père ? À ce qu'il paraît, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il aurait même envoyé des démons en enfer. Alors, tu ne me crois pas capable de chasser un démon, moi aussi ? Je le croirai quand je le verrai. Je ne sais pas encore quel genre de sacrifice tu serais prêt à faire pour moi. Tout ce que tu veux. Eh bien, si tu me donnais ton renard, je serais probablement prête à te croire. Sa fourrure sera du plus bel effet autour de mon cou. Ah, quoi ? Ça, tu peux oublier, ma jolie ! Je veux être raccompagné chez moi immédiatement ! S'il te plaît, Balthis, attends ! Si tu me prouves que tu es vraiment aussi sage que tout le monde le dit, alors nous en reparlerons. Peut-être. Oh, roi Clay, ne la laisse pas te mener comme ça par le bout du nez. Le roi Salomon est sur le point de faire la démonstration de son infinie sagesse. C'est la reine Balthis en personne qui va poser la première question. Voici 100 roses rapportées des jardins de Saba.
Une seule est véritable, tandis que les autres ont été cousues de soie. Peux-tu me dire laquelle de ces roses est naturelle? Ceci est la seule rose à être née de la terre et non du métier à tisser. La chance des débutants. Poussez-vous! Laissez-moi passer! Maintenant, tu vas répondre aux questions que moi je pose. Dis-moi, le roi, quand vas-tu me rendre l'anneau qui me revient de droit? Qui es-tu au juste et à quel anneau est-ce que tu fais référence? Je suis Adad et je viens d'Edom, que David a détruit par le feu et l'acier quand je n'étais encore qu'un jeune enfant. Tu parles de mon père? Oui, c'est lui qui s'est emparé de l'anneau qui appartenait à mon père et qui a anéanti tout mon royaume, me réduisant ainsi à la pauvreté et à la souffrance. Mais nous sommes en paix maintenant. Nous ne connaîtrons la paix que lorsque tu m'auras restitué l'anneau qui était la propriété de mon père. Je ne comprends pas. De quel anneau il est question? Celui que tu arbores à ton doigt. Je fais le serment que nous ne pourrons connaître la paix que lorsque je porterai enfin cet anneau à mon doigt. On t'a élevé dans la haine, alors rien de bon ne pourra jamais vivre dans ton cœur. Je me présente à toi aujourd'hui pour t'offrir la paix, Salomon. Mais tu es aussi cruel que ton père a pu l'être en son temps. La vengeance sera mienne. Manquer de respect, Salomon. C'est pourquoi je vous maudis, toi et ton peuple, pour l'éternité! Je t'invoque auprès de moi, démon! Je te convoque, esprit du mal! Manifeste-toi depuis le cœur des ténèbres! Viens à moi et quitte maintenant ce sommeil perpétuel! Je te libère enfin de la nuit éternelle! Approche et rejoins à mes côtés la lumière! Asmodée, te voilà enfin ici! Qui es-tu, stupide mortel? Je suis celui qui t'a invoqué et a ouvert une voie jusqu'aux entrailles de la terre. Adad de Edom n'attend aucune gratitude de ma part. Je suis le démon qui porte en lui la haine d'un seul de mes regards. Même les frères les plus aimants se sautent à la gorge. D'un seul de mes soupirs, l'air le plus pur se remplit de malheur. La haine de mon prochain me suit toujours à la trace. Je vois que tu n'as pas foulé la terre depuis des lustres. Le monde a beaucoup changé. Mais je peux t'apporter mon assistance, si tu... Essaierais-tu de marchander avec moi, misérable vermine? Vengeance? Je ne recherche que la vengeance. Tu veux te venger? Voilà qui est plus doux à mes oreilles. Dis-moi en plus. Le roi de Jérusalem. Le roi David, celui qui m'a emprisonné? Tu ignores que David est mort. Aujourd'hui, c'est son fils Salomon qui porte la bague de mon père. Aide-moi à la récupérer. David est mort. Je peux tout de même encore détruire ce qu'il a laissé. Nous voulons tous les deux la même chose, mais Jérusalem est gardée par des portes magiques que même toi, tu ne peux pas franchir. Quoi, moi, j'en suis capable. Moi ? Oui, au moins une dizaine de fois depuis que le jour s'est levé. Si ça continue ainsi, la ville va s'effondrer entièrement. Ah, croyez-moi, c'est deux fois plus difficile avec des oreilles comme les miennes. J'enverrai tous les lions, toutes les mules et tous les renards de Jérusalem pour le faire taire. Les renards ? Voilà, voilà une bien mauvaise idée. Jérusalem,
C'est la voix d'Asmodée, le démon de la destruction et de la haine. Se serait-il échappé? Asmodée, tu dis? Un véritable démon? Tu entends ça, Balkis? C'est ce que tu souhaitais, non? Quoi? Moi, j'ai souhaité ça? Toby, de quoi a-t-on besoin pour une expédition d'extermination de démons? Eh bien, si nous partons à l'aventure, je suis certain que tu trouveras tout ce qu'il te faut dans les bagages de Balkis. Vous deux, je vous interdis de fouiller dans mes affaires, d'accord? On va seulement emprunter quelques accessoires pour notre mission. Je vous en prie, Votre Altesse, n'y allez pas. Pensez au danger qui vous guette. Le soleil du désert est très dangereux. Je prends un peu de graisse de chèvre, indice 50. Et comment comptes-tu te l'étaler sur le dos? Oh, eh bien, Aigle, viens me chercher, c'est un ordre. C'est très courageux à vous, Votre Altesse, d'aller oser affronter le démon hurlant par vous-même. C'est courageux, mais imprudent. N'oublie pas à qui tu t'adresses, Aigle. Rappelle-toi que je suis Salomon le Sage. Tu pourrais voler un peu plus délicatement. Encore une turbulence et je renvoie mon petit déjeuner. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je recherche l'aventure. Quoi d'autre? Voyons où nous nous trouvons. Des pierres, du sable à l'infini, beaucoup trop de soleil à mon goût. Oh, c'est tellement déprimant. Je t'informe que nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes arrivés, Votre Altesse. Écoute-moi, Jérusalem. L'heure de ta fin a sonné. On ne tient pas à atterrir ici, n'est-ce pas? Salomon, le sage, me l'a ordonné. Et je lui dois obéissance. Écoute-moi, Jérusalem! Il mériterait d'être emprisonné pour pollution sonore. Allons-nous-en d'ici. Non! Pas si vite, toi tu m'accompagnes. Tu sais bien que je ne connais absolument rien aux démons. Laisse-moi me charger d'Asmodée. Toi tu t'occuperas d'Adad. Et tu t'assures surtout qu'il ne lui arrive rien. Qu'il ne lui arrive rien? Ce misérable est tellement mauvais que même les vautours n'en feraient pas leurs 4 heures. Asmodée, je t'ordonne de le relâcher. Il faudra d'abord que tu arrives à me passer sur le corps, enfant roi. Ensuite seulement, tu pourras me donner des ordres. Je vois que ton séjour prolongé loin de nous a considérablement épuisé tes forces. Il me reste encore bien assez de force et d'énergie pour te démolir. Occupe-toi de Adad. Tout va bien. J'ai réussi à l'attraper. Sors de ta cachette, démon. Comme tu voudras. Prépare-toi à mourir, Salomon. Qu'est-ce que c'est que ça? Parfait. Obéissez-moi. Je t'ordonne pour la dernière fois de t'incliner devant ma volonté. Et dis-moi pourquoi je t'obéirai. Maintenant. Ah!
J'arrive, roi Tlé. J'espère que j'ai échappé au moment dangereux. C'est bien Asmo, Asmodée à l'intérieur? Ne t'inquiète pas, je l'ai emprisonné dans un piège magique. Excellent, alors on peut y aller. Dès qu'on se sera assuré que ces affreux ne reverront jamais la lumière du jour. Nous les emmenons tous les deux avec nous à Jérusalem. Tu es devenu complètement ma boule ou quoi? Le démon également? En particulier le démon. Je veux que Balkis voie que je suis aussi courageux que mon père a pu l'être avant moi. Ouais, ouais, tu es prêt à risquer la vie de tout ton peuple pour égaler la réputation de ton père. Aigle! Aigle, viens à moi! Ramène-nous à la maison. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Tu dois m'obéir, je te l'ordonne. J'ai promis à votre défunt père que je vous protégerais si vous preniez des décisions stupides. Est-ce que tu dis que tu ne veux pas nous ramener chez nous? Disons que je ne peux pas porter un chargement aussi lourd sur mon dos. Tu as entendu, roi Tlé? Débarrasse-toi d'eux, immédiatement. Il n'en est pas question. En aucun cas, je ne laisserai Haddad et le démon ici. Eh bien, il semble que nous soyons coincés parce que nous ne sortirons jamais de ce désert à pied. Est-ce que vous transportez? Non. Oh, j'ai bien peur de comprendre. Est-ce que c'est lui? Laisse-moi passer, Josapha. C'est le système de défense contre les démons mis en place par votre père. Annule tout de suite ce sort, Josapha. Mais alors la ville se retrouverait sans aucune protection. Votre père n'a jamais autorisé une telle chose. C'est moi qui suis le roi désormais. Par conséquent, c'est moi qui donne les ordres. Oui. Attendez-moi. Avez-vous perdu la tête, Salomon? Vous avez délibérément amené Asmodée au cœur de la ville de Jérusalem? Tu ne comprendrais pas, vieillard. Je dois briller aux yeux de la reine Balkis. Oh, mon pauvre enfant. La beauté de Balkis vous a complètement aveuglé. J'ai prouvé que j'étais aussi grand que mon père en son temps. Comme vous pouvez être naïf. Votre vanité va mener Jérusalem à sa perte. Je t'ordonne de regagner ta place dans la jarre immédiatement. Non, merci. Elle était un peu trop serrée au niveau des épaules et pour tout dire, la décoration ne me plaisait pas du tout. Serait-ce là le fameux anneau d'Haddad? Voilà un bien joli bijou. Moi qui pensais que je serais obligé de tuer le roi Salomon. Alors tu peux me le remettre comme promis. Garde, tuez-le! Ah, dorénavant, c'est à moi que vous obéissez. Exécutez cet homme. Nous arrivons, sire.
souffle du démon remplit le cœur des hommes de haine. Tu as perdu l'étincelle de joie que tu avais dans les yeux. Au revoir, les garçons. Oh, voilà qui est bien mieux. J'appellerais suivre une pente très glissante. Vous, là, en fait, je sais pas trop ce que vous êtes. Mais est-ce que vous seriez... Hein? Quoi? Qu'est-ce que ça m'a fait de la queue ou quoi? Jérusalem est à moi! Sauf, je déteste la gravité et je trouve qu'il y en a un peu trop par ici. Fais-moi voyager sur ton dos, Aigle. Tu n'es pas digne de l'héritage légué par ton père. Il n'a pas tort. La bonté est enfouie si profondément au fond de ton cœur que seul le pouvoir du Shamir, le tailleur de pierre, pourra la faire rejaillir. Le Shamir ? Aigle ! Non ! Salomon est mort. Je l'ai envoyé voler très haut dans les airs, léger comme une plume, et il s'écrasera au sol aussi lourdement qu'une brique. Le trône de Jérusalem est à moi. Mais que se passe-t-il? Vous paierez le prix de votre insolence, je vous le promets! Je vous ferai sculpter en crachoir public! On dirait bien qu'il pense que quelqu'un va revenir et te renvoyer très prochainement dans ton donjon au cœur des ténèbres. Seul David était capable de réaliser un tel acte. Je te rappelle qu'il est mort, ainsi que son imbécile de fiston. Peut-être qu'il est encore en vie et qu'il va t'emprisonner avec l'aide du Shamir. Le Shamir, le tailleur de pierre. Il est aussi ancien et usé que le monde lui-même. Il est capable de creuser à travers la pierre la plus dure. Où puis-je trouver cette créature? David et Josaphat ont gardé très secrètement l'endroit où ils l'ont caché. À mon avis, il doit être quelque part par ici. Donne-moi la bague, tu as promis. Imbécile! Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Dorénavant, c'est moi qui suis ton maître. Pourquoi mon sortilège n'a-t-il aucun effet sur toi? Je suis trop âgé, et je te connais trop bien pour que ta sorcellerie ait une quelconque influence sur moi. Montre-moi où tu as caché le Shamir! Oh,
je comprends, j'y vois plus clair maintenant. Ceci est le poème qui révèle l'emplacement du Shamir. Toby ! Toby, où es-tu ? Tout va bien, mon ami. Tout va bien ? D'abord, wouh, on s'envole, et ah, on s'écrase par terre, et toi t'oses encore me dire que tout va bien ? Du calme, ça pourrait être bien pire. Qu'est-ce qui pourrait être pire que d'avoir la gueule remplie de sable et les oreilles entièrement bouchées par des graviers ? Le fait qu'un démon ait pris le contrôle de toute la ville de Jérusalem ? Et à qui la faute, d'après toi ? Je suppose que c'est la mienne. Mais Balgis est une reine tellement belle et tellement... Écoute, Roitley. Tu sais que je t'ai toujours soutenu à 100% quand on faisait nos manigances en douce, même les plus bizarres. Mais là, t'as vraiment fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu t'imaginais, au juste ? Je n'en sais rien. Tu vois, mon père David était un grand roi. Je n'ai absolument aucune de ses connaissances, parce que je ne suis qu'un enfant gâté. Hé, hey, ne pleure pas. Qu'est-ce qu'elles penseraient, les filles, si elles voyaient le roi pleurer ? Ça va, je vais tenir le choc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est un vieux poème que mon père m'a appris. Il indique l'endroit où se trouve le Shamir, le légendaire vert tailleur de pierre capable de réduire les montagnes en taupinières. Quoi ? Le Shamir ? Tu te souviens de ce qu'a dit l'aigle ? Évidemment. Il a dit que j'étais un roi bon à rien, qui mérite de se terrer dans un trou dans le désert. Et que seul le Shamir pouvait venir à ton secours. Oui, c'est exact. Tu as raison. C'est le Shamir qui a renvoyé le démon en prison. Par-delà le désert, mère de toutes les contrées, au pied des roches et par le soleil embrassé. À travers les falaises rouges et les vallées, repose une ville sculptée dans la roche dorée où Shamir demeure dans la solitude et dans la paix. Dis-moi, où se trouvent ces canyons ? C'est une ville sculptée dans la roche. Hé, hey, je la connais ! J'ai déjà arpenté un sentier sinueux au fond d'un canyon rouge. Au-delà de la mine de cuivre. Dans les collines vierges. Une cité sculptée dans la roche, ça ne peut... qu'être... Petra. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Arrête-toi ! Nous devons aller à Petra. Et tu vas m'indiquer le chemin. Tu penses qu'il est sourd ? J'ai dit, arrête-toi ! Voilà qui est bien mieux. Une armée de serviteurs vaut toujours mieux qu'un seul serviteur. Est-ce que tu es sûr qu'ils sont là pour te servir, Roitley ? Là, on peut dire que les ennuis ont commencé. Dans quelle direction se trouve Petra ? J'en sais rien du tout. D'accord. Dans quelle direction faut-il se diriger pour trouver un peu d'ombre et une goutte d'eau ? Peut-être par là. Toby, ne baisse pas les bras maintenant. De l'eau, je suis déshydratée. Arrêtez, vous m'entendez ? En tant que roi de Jérusalem, je vous ordonne de... Oh ! Arrêtez, je vous ai dit de vous arrêter. Je t'en prie, laisse-moi t'aider, mon ami. Montre-moi le chemin. Oh. Ha ha ha!
quelque chose qui ne tourne pas rond ici, nourrice. Cet endroit est dégoûtant. Et où sommes-nous? Taisez-vous maintenant, ma reine. Me taire alors que je n'ai qu'une envie, c'est de crier. Qu'est-ce qui s'est passé dans le palais? Et où sommes-nous au juste? Nous sommes dans les tunnels secrets. Ils serpentent dans les sous-sols du palais afin que le roi puisse s'enfuir en cas de danger. Oh, je me suis cassé un ongle. Mon maquillage est complètement gâché. Je suis une reine et je veux rentrer chez moi maintenant. Marionnette de la haine, obéis-moi, c'est un ordre. Va maintenant à Petra. Comme vous voudrez, maître. Tu te feras passer pour un riche prétendant auprès de la fille du roi Salim, le roi de Petra. Va là-bas et empare-toi du chamir, le ver tailleur de pierre. Voilà Petra. Le roi Salim va probablement t'offrir un gros sac d'argent, juste pour le cas où tu voudrais m'acheter un très joli cadeau. Je n'ai pas l'intention de dire à qui que ce soit qui je suis. Comment? Alors prétends donc que je suis un renard qui a la super classe, accompagné de son pantin. Je vais me faire passer pour un simple mendiant, afin d'éviter d'attirer l'attention sur moi. Halt! Pour quel motif vous rendez-vous à Petra? Je suis pauvre et assoiffé. Hein? Si tu es prêt à travailler d'arrache-pied, j'ai déjà une tâche à te confier. Nana! Père, laissez-moi tranquille. J'ai le droit de savoir dans quels endroits tu es allée. D'accord. Je suis allée dans le camp des Bédouins, au-delà du buisson épineux. Une princesse célibataire ne devrait pas quitter l'enceinte du palais. Je n'ai pas encore rencontré l'homme dont j'accepterai de serrer la main. Tu dois prendre un mari avant ton prochain anniversaire. Si aucun prétendant ne se présente par lui-même d'ici là, je te jure que je te marierai de force au ramasseur de crottes de chameau du royaume. Waouh! C'était la fille du roi Salim? Plutôt mignonne, hein? Haroub, vieille sorcière de la cuisine, ce jeune homme recherche du travail. Tout ce que je vois ici, c'est un petit coquelet maigrichon suivi par un rat. Hein? Fais-le travailler dur et essaie d'en faire un homme. Commence par le bac à vaisselle. Tu peux te servir de ton rat comme d'un torchon si tu veux. Elle est sérieuse, là? Moi qui ai toujours préféré m'asseoir sur un pot de chambre en or. Mais non! Toi, tu choisis de t'initier à la plonge. Tu n'as pas une seconde à perdre à regarder les filles. Cette noisette, c'est lui. Fuyez, le gamin arrogant est là. Va dormir. Tu as une grosse journée de travail qui t'attend demain. Tu as raison, je la reconnais moi aussi. C'est le bourreau des animaux. Ennemi des fourmis. Sadique envers les ânes. Tout le monde à Petra sait qui tu es vraiment. Alors je te conseille de faire profil bas. Fais pas attention à eux, Toby. Toby, c'est vraiment l'image que tu as de moi? Eh bien, en dehors de moi, Roitelet, je ne connais aucun autre animal qui prendrait la peine de lever la patte pour te gratter. Remets-toi au travail, espèce de fainéant! Yes.
vais te vendre à la cuisinière du roi, sale bête. Avance. Je vais t'apprendre la vie, satanée bosse puante. Ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu t'en prendre à cette pauvre créature? Arrête ça immédiatement. Attends, qui es-tu? Je travaille dans la cuisine, princesse. Ton visage m'est familier. Comment tu t'appelles? Je m'excuse, mais je dois finir mon travail. Je sais ce que tu as fait. Tout à l'heure, dans la cour, j'ai vu toute la scène. Je suis désolée, mais je ne vois vraiment pas de quoi vous parler. Tu as protégé le chameau. Vous devez confondre avec un autre. Je n'avais jamais rencontré un serviteur qui s'intéressait de près ou de loin aux animaux. Remets-toi au travail, espèce de gros fainéant. Vite, Toby. Nous devons nous dépêcher de découvrir où le roi Salim cache le chamir. Émerveillé par les cadeaux que toutes les nombreux prétendants t'ont envoyés. Je ne tiens pas à savoir ce qu'ils ont envoyé. Un tapis précieux de la part du prince Wassim, avec un chameau tissé dans la laine, et ceci de la part du prince Zai, une amphore en argile, un artiste des plus experts à réaliser le dessin d'un chameau. Et devine ce que le prince Essam t'a fait porter. Probablement un chameau. Comment est-ce que tu as deviné? Est-ce que tu as trouvé quelque chose? J'ai retourné chaque centimètre carré de la cité de Petra, mais le vertailleur de pierre s'est volatilisé. Salim garde l'endroit du vertailleur de pierre si secret que même nous, les animaux, ne savons pas où il se trouve. Ça veut dire qu'il peut être n'importe où. Comment on va faire? Peut-être que tu pourrais demander à la fille. Tu veux dire la princesse Naama? Je ne suis qu'un domestique. Comment je pourrais lui parler? Elle flairerait tout de suite qu'il y a quelque chose de suspect. Voilà ce qui arrive quand on décide de se laisser réduire en esclavage et qu'on joue les gamins immatures. Mais je reste toujours le roi de Jérusalem. Oh. Princesse? À qui est-ce que tu parlais? Moi? Je parlais tout seul pour passer le temps. Parler tout seul, ça n'a rien de très intéressant, si tu veux mon avis. Ce n'est pas moins intéressant que d'espionner un employé de cuisine. D'accord. Cessons ce petit jeu. Je sais exactement qui tu es. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Watley? Tu as vraiment semé une pagaille royale. Naama! Où es-tu, mon trésor? Sortez de votre cachet, princesse! Que passe-t-il, père? La neige serait-elle tombée dans le désert? Non, c'est un miracle encore plus incroyable que cela, ma chérie. En réalité, un messager vient juste de me porter cette lettre. Regarde. Mais père, de quoi est-ce que vous parlez? Lis-lui la lettre, Omar. Ma torche est tremblante. Moi, le calife Abdulhamid Ibn Abed al-Qadir, viens d'être informé de la grande beauté de Naama de Petra et me présenterai dans la cité le jour de l'anniversaire de la fille pour la prendre pour épouse. Non! Si! Le calife veut te prendre pour épouse! Non, non, non! Retourne auprès de ton maître et informe-le que ma fille attend son arrivée, le cœur rempli de joie. Thank you.
sonneur. La princesse Naama va monter sur mon dos avec le calife juste après la cérémonie qui scellera leur vœu de mariage. De quoi ai-je l'air, dis-moi? On dirait un marin nubien alcoolisé qui aurait décidé de se déguiser en danseuse du ventre. C'est plutôt un compliment venant d'un torchon comme toi. Arrêtez de vous disputer. Fais sortir ce chameau. Le marié vient d'arriver. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de la princesse Naama. Elle est promise en ce jour si particulier au calife Abdulhamid Ibn Abed al-Qadir, qui est tombé amoureux fou d'elle avant même de l'avoir rencontrée. Je suis le calife Qadir. Et j'ai interrompu précipitamment mon voyage pour vous demander la main de votre ravissante fille. Bien évidemment. Mais pourquoi précipiter la cérémonie du mariage aujourd'hui? Je n'ai pas de temps à perdre avec une longue cérémonie. Donc, si vous avez changé d'avis... Bien sûr que non, calife. Je veux dire, ma fille est présente. Sa main est là, voyez-vous. Donc nous pouvons procéder au mariage. Excellent. Mais d'abord, respectons la tradition. Le père de la mariée doit accéder à une requête faite par le marié. Ne vous inquiétez pas, je ne demanderai qu'une toute petite chose. Donnez-moi le chamir. Le verre tailleur de pierre. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit, père? Vous opposeriez-vous à une tradition ancestrale? Non, loin de moi cette idée. Si vous voulez que j'épouse votre fille, vous devez prendre une décision sur le champ. Voici Shamir, le ver tailleur de pierre. Si le calife tient à respecter les traditions, alors nous devons toutes les respecter. Non, ça suffit avec les traditions. La coutume de notre peuple exige que lorsque la princesse de Petra se trouve face à deux prétendants... Deux? Qui est l'autre prétendant? Alors ils doivent se battre en duel en utilisant les armes que la princesse aura choisies. Oh, veuillez m'excuser, calife. Pour ma part, c'est la première fois que j'entends parler d'un deuxième prétendant. Où est-il? Le deuxième prétendant? Me voilà, votre Altesse. J'aimerais également vous demander la main de la princesse Naama. Non mais t'es sérieux là, Roitelet? Et qu'est-ce que tu fais de Balkis? Je dois mettre la main sur le ver tailleur de pierre. Oh, le garçon de cuisine, c'est bien lui? Oui, c'est bien lui. Laissez-le passer. Non, Salomon est en vie. C'est impossible. Comment a-t-il pu survivre à une chute pareille? Adad, écoute-moi bien. Tue-le maintenant. Attends! Pas de cette manière. Il n'en est pas question. Soldats, saisissez-vous du garçon de cuisine. Vous n'avez pas le droit d'agir comme ça. Que faites-vous des traditions? Aucune tradition ne pourra me convaincre de marier ma fille à un serviteur. Mais ce n'est pas un serviteur. Retirez tout de suite vos sales pattes de Salomon, le roi de Jérusalem qui vient officiellement de me demander en mariage. Tu sais qui je suis? Je t'ai espionné. Je suis désolée, c'est une de mes petites manies. Vous êtes vraiment le fils du roi David? Vous êtes Salomon? C'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait sur la façon de faire la vaisselle. Pardonnez-moi, roi Salim, d'avoir masqué mon identité et de m'être caché dans votre belle ville. Je vous prie de bien vouloir me donner la main de votre fille. Je pensais que vous aviez été chassé du trône. C'est exact, mais... Je m'excuse, mais si vous n'avez plus de royaume... Dis-lui que tu vas l'affronter au cours d'un duel. De cette manière, personne ne pourra te traiter de meurtrier. Roi Salim, j'accepte de relever le défi et de l'affronter en duel. Comment? Eh bien, je ne suis vraiment pas certain que... L'arme que je choisis sera le pouvoir de l'esprit. Celui qui saura répondre correctement à 3 énigmes remportera ma main. Père, c'est vous qui serez seul juge. Quoi? Une bataille de l'esprit? Ça ne va pas le tuer. Tu dois gagner ce combat, Adad. Tu m'entends? Je te donnerai chacune des réponses. Voici la première question. Il est immobile du temps de son vivant, mais lorsqu'on lui coupe la tête, il prend la mer et traverse les océans. Oh, sage calife, vous avez la chance de pouvoir répondre le premier. Immobile? Couper la tête? Océan? Je ne sais pas. Dis quelque chose, épouvantail de malheur. Calife? Un
un vieil épouvantail jeté dans l'océan? Un épouvantail? Maintenant à toi, Salomon. La bonne réponse est un arbre qui a été coupé pour construire un bateau. Eh bien, la bonne réponse, c'est tout à fait évident. La bonne réponse, c'est l'épouvantail. Mais enfin, père, ce n'est pas ça du tout. C'est moi qui suis le juge, donc c'est moi qui décide. Passons à la question suivante. Maintenant, une énigme un peu plus difficile. Qu'est-ce que l'on peut voir uniquement les yeux fermés? Les yeux fermés? Je n'arrive pas à imaginer ce que ça peut être. La réponse est l'imagination. Ce qu'on ne peut voir que les yeux fermés, ce sont les rêves. Correct! La bonne réponse était l'imagination. Mais enfin, père, on peut imaginer des choses en gardant les yeux ouverts. Vous trichez! Le calife a une fois encore répondu correctement à la question. Et par conséquent, tu l'épouseras. Mais il leur reste encore une dernière question. Des oiseaux géants aux ailes de grisaille assombrissent le ciel de jour comme de nuit. C'est... Est-ce que ce serait un corbeau délavé? Oui, c'est exactement ça! Je m'excuse, Votre Altesse, mais la réponse à la question que pose votre fille n'est autre que le brouillard. Ça suffit! Arrêtons ces jeux infantiles! Roi Salim, si vous ne me donnez pas la main de votre fille, je... Je vous la donne! Oh. Garde! Arrêtez cet homme! Il l'a kidnappé! Attrapez-le! Nama! Ce n'est définitivement pas pour moi toutes ces histoires de mariage. C'est bien, ma belle! Pour une fois que je suis sur mon 31, voilà que la fête est annulée! Ne vous inquiétez pas, je couvre vos arrières! Je n'en reviens pas qu'il m'ait suivi jusqu'ici, ce maudit démon! Attention! Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. Oh, mon pauvre petit popotin! Ne t'en fais pas, il n'a pas disparu, lui. Je le vois parfaitement bien. Si nous l'avons perdu, nous sommes fichus. Qu'est-ce que tu nous veux, toi, le vieux mendiant? Ne lui parle pas de cette façon. Il est peut-être pauvre, mais il mérite tout de même notre respect. Désolé, vieil homme, je ne pensais certainement pas à mal. Que faites-vous au beau milieu du désert? Je suis à la recherche d'un scorpion pour venir le glisser dans tes grandes oreilles pendant ton sommeil. Oh, Atlet, tu as entendu? Le vieil homme a compris ce que j'ai dit. Pas maintenant, Toby. La boîte est vide. Le ver tailleur de pierre s'est échappé. Les soldats! Est-ce que c'est mon père? Oh, désolé! Reviens immédiatement, espèce de boss sur pattes! Si tu veux mon avis, il va falloir jouer des points. Tu ne comptes pas me priver de ce plaisir, j'espère? Regardez, ce ne serait pas le déserteur du ciel par hasard? Ne crains rien. Je te présente mon vieil ami, le roi du ciel. Eh bien, si vous avez enfin terminé, nous pouvons peut-être décoller. Viens avec nous, vieil homme. Tu vas te faire piétiner si tu restes ici. Tu es certain que tu vas arriver à tous nous sauver? Tu peux rester là si tu préfères. Venez à moi, soldat. Salomon est vivant et il se rend à Jérusalem. Tendez-lui un piège et soyez sans pitié. Ah,
je t'en prie, reste avec moi, mon vieil ami. Je vais avoir besoin de ton aide. C'est une bataille que tu es seul à pouvoir mener à bien, Salomon. Si tu as vraiment besoin de mon aide, je viendrai par moi-même sans que tu n'aies à m'appeler. Qu'y a-t-il, Salomon ? J'ai échoué en tant que roi. Et voilà que je laisse échapper le ver tailleur de pierre. Pourquoi tiens-tu tant à ce ver tailleur de pierre ? Parce que j'ai besoin de sa puissance pour pouvoir abattre le démon. Remettons-nous en route. Attends, juste une minute. Est-ce que tu sais où est passé le gentil vieillard ? Gentil vieil homme ! Où êtes-vous allé ? Nous devons partir maintenant. Il nous trouvera. Je veux bien me transformer en chapeau si ce vieux clochard est aussi innocent qu'on le dit. Laissez-moi m'en charger, Votre Altesse. Tu n'as pas de serviteur qui s'occupe du feu pour toi, Petra ? J'aurais terriblement honte de moi si, sous prétexte que je suis une princesse, je ne savais pas faire le minimum. Si mon père me voyait en ce moment, je suis certain qu'il aurait honte de moi. Tant que ta main reste bien reliée à ton cœur, tu ne peux pas faire d'erreur. Tu m'as fait sursauter, espèce de vieux sac d'os. Où est-ce que tu étais passé ? Salomon. Oui ? Dis-moi, est-ce que la reine Balkis est aussi belle que les gens le disent ? Oui, elle est très belle. Mais... Oui ? Eh bien, tu vois, je ne sais pas trop comment le dire, mais ta beauté à toi est totalement différente et... Regarde ! Je savais qu'on en trouverait ici, j'avais reconnu la plante. Dis-moi, vieux chacal, comment est-ce que ça se fait que tu comprennes ce que je dis ? D'après ce que j'en sais, Salomon est la seule personne au monde capable de faire ça. C'est exact. Il est effectivement la seule personne. Qu'est-ce que c'est ? C'est un légume racine. Donne-moi ton couteau. Oh, c'est rafraîchissant et sucré. C'est un vrai miracle. Ce n'est pas un miracle, seulement de la connaissance et de la patience. C'est aussi simple que cela. Voilà, nous sommes arrivés. Ah bon ? Je ne pense pas que ce soit Jérusalem. Je vais dans cette direction. Quant à toi, il serait mieux que tu suives ce chemin sur l'autre route. Pourquoi je voudrais suivre ce chemin ? Pour tenter de rejoindre une caravane qui pourra te ramener chez toi. Pardon ? Jérusalem est une ville très dangereuse. Et ? Écoute, Naama, tu dois essayer de comprendre que... Je comprends très bien. Alors, dans ce cas, je te souhaite bon courage. Oh. Tu crois vraiment que je vais te laisser continuer seule ? Naama, Si c'est le cas, tu te mets le doigt dans l'œil. Je... Tu ne savais même pas faire la vaisselle tout seul il y a quelques semaines. Alors ne me fais pas croire que tu n'as pas besoin de moi, parce Naama, que... Naama, je... Parce que tu n'en es pas capable. Naama ! Quoi ? Dis-le, je t'écoute. Allez, vas-y, vas-y, dis-moi. Merci beaucoup. C'est un piège ! Voilà exactement ce que j'attendais. Quoi ? Le vieux mendiant, c'est lui le Shamir, le ver tailleur de pierre. Si vous voulez rester en vie, entrez là-dedans. Venez, allez, entrez, dépêchez-vous. J'ai tout de suite su qu'il cachait quelque chose.
pas s'enfuir. Suivez-moi. On va aller au fond de la grotte. Où va-t-on? Je n'arrive même pas à voir mes mains juste devant moi. Ah! Par ici, si vous voulez me suivre. Je crois qu'on a réussi à semer les soldats. Comme ça, c'est toi, le vertailleur de pierre? Chamire, si ça ne te dérange pas. Tu t'es vraiment bien moqué de nous, vieil homme. Vous ne m'avez jamais demandé mon nom. Depuis combien de temps te caches-tu à Petra? Depuis que j'ai sculpté la ville dans la pierre pour le roi Salim. Alors, vieillard, tu es enfin réveillé? Juste à temps pour entendre... Maître! Une grotte a surgi de nulle part! Une grotte? De quelle grotte est-ce que tu parles? Montre-moi! Une grotte s'est ouverte alors qu'il n'y avait aucune fissure dans la roche? Cela ne peut signifier qu'une seule chose. C'est le vertailleur de pierre. Jérusalem a toujours été une ville difficile à vivre, mais à ce que je vois, on est vraiment passé au niveau supérieur. Apparemment, tu es revenu, Salomon. Oui, je suis revenu pour te bannir d'ici et te renvoyer dans ton donjon souterrain. Oh! Et comment comptes-tu t'y prendre? Soyons sérieux. Avec l'aide d'un renard rempli de puces, d'une frêle jeune fille et d'un vieux mendiant Kakoshim? Du roi démon de l'enfer. Il doit être immensément puissant pour être parvenu à les invoquer. Détendez-vous, il y en aura bien assez pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre Altesse, que faites-vous là-dedans, sire? Toi alors, tu ne penses vraiment qu'à manger? Tu fais erreur, mon ami à fourrure. Je ne suis pas en train de manger, je suis en train de les nourrir. Regarde, Salomon. Il forme toute une armée de rescapés. La haine pourra uniquement être vaincue par l'armée de la douceur. La voilà, mon armée. Hé, il ne possède ni épée, ni lance. Regarde-les, roi Tler. Je pensais que pour régner sur un peuple, il fallait posséder un trône et un anneau. Et qu'être le fils de David serait suffisant pour être un bon roi. Mais maintenant, j'ai compris que le vrai pouvoir ne s'acquiert pas avec un anneau, et que la véritable loyauté ne s'exerce pas sur un trône, mais dans chacun d'entre nous. Je vous en prie, mes amis, suivez-moi tous, vous, animaux de ce magnifique territoire. Un seul et unique éléphant? C'est là tout ce dont tu es capable, jeune enfant inconscient. J'espère que tu ne comptes pas sur moi pour rester là, grosse bosse. Penses-tu qu'il y aura un festin de la victoire organisé après notre bataille? Mais bien sûr, c'est évident. Soit nous nous régalerons, soit nous régalerons les autres. Mais il est certain qu'il y en aura un. À l'attaque! Tuez-les tous! Anéantissez-les!
de fuir. Je vous maudis. Continuez, écrasez-les. Hé, hey, les oiseaux, arrêtez les flèches. Stop. N'allons pas plus loin. C'est encore mon peuple, même si leur cœur a été rempli par le poison de la haine. J'ai besoin de m'approcher afin d'ouvrir les entrailles de la terre et renvoyer le démon en enfer. Hé ! Oh, regarde, c'est la nourrice du royaume de Saba. Hé, attends. Qui c'est, cette fille ? Oh, elle ! Eh bien, c'est Balkis, la reine de Saba. Tu as une bien jolie couronne de paille, dis-moi. Et toi, dis-moi, c'est qui ? Oh, oh, c'est juste une fille de Petra. Juste une fille ? Enfin, c'est pas exactement ça. C'est la princesse Naama, la fille du roi Salim. Vous n'avez pas de temps pour ces broutilles, les filles. Salomon, vous connaissez le chemin. Merci beaucoup. Allez, viens, Shamir. Où te caches-tu, l'enfant roi ? Sors pour que je puisse voir ton visage blême. Peut-être que tu pourrais juste te retourner, dément. Comment es-tu arrivé ici ? Arrête. Je sais que tu vas me réduire en poussière, parce que tu es un démon très fort et à la puissance inégalée. Quel garçon intelligent. Si malgré ça, tu consens à m'accorder un dernier vœu, je te confierai le Shamir. Es-tu en train de dire que tu détiens le ver tailleur de pierre emprisonné dans ce sac ? Si jamais je le laisse sortir, il risque de disparaître en un clin d'œil. Fais attention avec ce sac. Tiens-le bien fermement et donne-le-moi délicatement. Tu dois d'abord me promettre que tu libéreras Josapha. Non, ne fais pas ça, Salomon. Est-ce là tout ce que tu me demandes ? Regarde-moi dans les yeux et fais-en moi la promesse. Eh bien... Si tu continues à perdre du temps, je le laisse partir. Shamir contre Josapha, c'est bien ça ? Non, il n'en est pas question, Salomon. Soyez raisonnable ! Silence ! Je suis d'accord. Donne-moi le ver tailleur de pierre. Et lorsque je t'aurai réduit en poussière, Josapha sera libre de repartir. Tu me le promets ? Tu en es sûr ? Évidemment que j'en suis sûr. Maintenant, donne-moi le sac. Quoi ? Prends-le et garde-le bien serré contre toi si tu ne veux pas qu'il s'échappe. Oh ! Tu es enfin à moi, Shamir ! Oh ! Tu m'as piégé, Salomon ! Il a des petites jambes de bleu ! Aide-moi, Adad, aide-moi ! Ceci ne t'appartient pas, créature démoniaque ! Pardonnez-moi, roi Salomon, pour ma soif de vengeance. Et toi, pardonne-moi pour les crimes de mon père qui t'ont poussé à chercher vengeance. Mais tous les deux, nous pouvons mettre un terme à cette querelle. Ainsi, je vous remets ce présent en témoignage éternel de ma bonne foi. Cet anneau qui jadis fut mien est maintenant vôtre. Il paraît que tu veux t'entretenir en privé avec moi. Ah, Salomon, te voilà enfin. Que penses-tu de ce voilage ? Il est magnifique, tout comme toi d'ailleurs. Oh, ce n'est qu'un vieux haillon de ma garde-robe. Je n'ai pratiquement rien emporté avec moi de Saba. Ah. Pourquoi m'as-tu fait appeler, Balkis ? Oh, c'est au sujet du mariage. Du mariage ? De notre mariage. N'est-ce pas la volonté de nos peuples ? Bien sûr qu'ils le veulent. Enfin, peut-être, je crois, mais... Pêche ou plutôt turquoise ? Balkis, je... Tu sais quoi ? Ne dis pas un mot. J'ai réfléchi et... Je préfère qu'on reste amis, en fin de compte. Un mariage, pour moi, c'est synonyme de grand amour. Donc, qu'est-ce que tu veux dire, Balkis ? Que notre amitié est très précieuse à mes yeux et que je suis certaine que nos chemins se croiseront à nouveau. Je suis tombé fou amoureux, Balkis. De moi ? D'une fille qui est une princesse, dont le cœur est pur et dont l'esprit est aussi libre qu'une brise qui souffle dans le désert. Une fille qui est restée à mes côtés quand je n'étais rien ni personne. Le grand amour.
Je trouve ça tellement romantique. Naama, je... Oui. Réjouis-toi, Jérusalem! Le sage roi Salomon est enfin devenu un homme et une nouvelle fois le roi de toute la région! De la paix est enfin venu. Il se passera de nombreuses années avant qu'il ne soit plus. Et qui est celui qui l'a rétabli sans aucune peur? Oh, Toby, bien sûr, le valeureux renard à fourrure.